Depuis la nuit des temps, les habitants de la Tunisie connaissent les vêtements coupés et cousus. L'époque carthaginoise était déjà connue pour ses tuniques de lin. Sous les premières dynasties musulmanes, les princes ont contribué par le faste de leur vie de cour à donner aux élites le goût des vêtements luxueux. Avec la dynastie des Abbasides, installée à Tunis au début du XIIIe siècle par les puissants almohades, on assiste à la pénétration de l'influence andalouse. Tunis est devenue capitale de la Tunisie, mais aussi capitale de la soie, titre qu'elle disputera avec Damas dans le monde arabe. Les Andalous eurent une grande influence sur les modes vestimentaires. Puis, à partir du XVIe siècle, la Tunisie, partie intégrante de l'Empire ottoman, va dans le domaine vestimentaire comme dans de nombreux autres domaines, puiser dans la brillante civilisation turque. Les Turcs ont introduit les gilets, les vestes et les caftans et ont contribué au prodigieux développement de la passementerie et de la broderie. Des broderies de Djeba, exécutées par le Branzi, le tailleur de Birmanie. Salam. Ça va. Thank you.
Voici la jeba traditionnelle. Tous les jours que portent encore quelques Tunisiens. C'est une jeba pour les occasions, pour les sorties, pour la distingue un peu plus. Cette jeba là, elle est en soi, elle est portée à l'occasion du mariage, de la circoncision, etc. Pour les munasabat, pour les aïd. هذا اللباس زاد نتاع مناسبات مش لباس يومي وعندك هذه جبه الخمري enfin هذه جبه الخمري هي تونسية بحتة c'est une jiba typiquement التونسي مشهور كان بالجبه الخمري elle se porte dans les هذه زاد كيف تاع مناسبات ونتاع اعياد elle est en pur soie et tissée et brodée كلها منسوج القماش منسوج باليد والخدمه التريزه نتاعها كذلك باليد وكلها حرير 100% وعندك في الصيف التونسي زاد كيف كيف يلبس الجبة السكودة اللي هي مصنوعة كذلك من الحرير الجبة السكودة se porte en été الجبة تلبس في الصيف les mariages les circoncisions elle est en pure soie et très très légère c'est normal elle se porte en été بس في الصيف في المناسبات في الأعياد اللي تكون في الصيف عندنا هذه الزخرفة عندنا هذه الزخرفة نخلقوها من أشياء رواها في لوحات ولا رواها في بيبان ولا في شباك نبتكرها ونحطها في جبال ونوا دي شوز سير دي فنات دي موزايك سير دي بور يا بري اون لي ايماجين اي اون لي برود Pour les cérémonies, la djeba est associée au sarouel, pantalon bouffant retenu par une large ceinture de coton ou de soie, et à la kiswa, ensemble de gilets portés sous la djeba. Beaucoup de Tunisiens considèrent aujourd'hui uniquement la djeba comme un vêtement de cérémonie. Cependant, pour une tenue décontractée et confortable durant ses heures de loisir, il arrive que le citadin revête une djeba toute simple. هذه طاو باش نلبسو الكسوة هذه البدعية الدخلانية تسمى والكسوة هذه فيها ثلاثة قطايع تحت الجبة وهذه الفرمة الثانية maintenant on va s'habiller تلبس فوق البدعية sous la djeba on met trois vêtements
deux gilets et une veste. Là, mental. Bon, en bas, il y a le mental. Maintenant, il y a le focus de l'abdé. 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 Enfin, on enfile la djeba. Si on est au niveau de l'Ukraine, le Burnous. Burnous, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire.